Eh bien voilà, c'est toujours un plaisir. Bonjour Andy. Bonjour. Alors, on est loin du 28 juin. C'est la date à laquelle vous êtes retourné ici pour le début de cette préparation. C'est toujours long, une préparation, non? Ouais, c'est vrai. Bon, ça fait un bout de temps que je pratique ça, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... voilà, on sait qu'on va courir, on sait qu'on va pas toucher le ballon, on sait que voilà, c'est le plus dur de la saison, et une fois que c'est fini et qu'on est bien en jambes, on est bien content, donc c'est un mal pour un bien. On va y venir parce qu'à l'instant, on est vraiment dans la dernière ligne droite qui nous sépare du début de saison très attendu. Vous êtes, je l'imagine, très impatient, mais cette préparation-là, pour la première fois en tout cas depuis que tu es ici, hein, c'est avec un nouvel entraîneur. Ouais. Dans les grandes lignes, il y a forcément du changement parce qu'il faut qu'il y en ait. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, la préparation était basée un peu plus avec ballon, mais avec des séances très très longues. Voilà, un stage aussi où on a pu bien travailler dans des très très bonnes conditions. Donc voilà, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, on a compris ce que demandait le coach et le message est bien passé, donc voilà, on a hâte. Deux personnalités différentes avec Michel et Olivier, totalement. Ouais, totalement. Après, voilà, j'apprécie énormément les deux, mais voilà, c'est deux personnes différentes, deux styles de management différents, donc voilà, c'est l'opposé. Et voilà, ça, en tout cas, je me répète, mais ça, ce que demande le coach, c'est vraiment bien passé. Et on a très très bien travaillé. Maintenant, voilà, il y a le vrai qui commence dimanche, en plus face à une très très belle équipe. Donc voilà, on a hâte de commencer le championnat. Voilà, dimanche, c'est le premier match officiel de la saison. On va en parler très brièvement tout à l'heure. Mais cette période de préparation, comme tous les clubs, hein, après tout, est maillée de matchs amicaux. Vous en avez joué 5, vous n'en avez gagné que 2. Alors, tu imagines ce que ça peut suite susciter comme réaction, non? Ouais, mais voilà, j'ai assez d'expérience pour dire que il n'y a pas de. Voilà, y a des équipes qui ont gagné tous les matchs amicaux et derrière, ils ont fait un début de championnat catastrophique comme l'inverse. Donc voilà, j'y crois pas trop. C'est vraiment travailler ce que le coach voulait mettre en place, on l'a fait. Et voilà, après, quand il y a vraiment des oppositions, qu'il y a des points à aller chercher, c'est pas pareil, les joueurs se transcendent et c'est pas pareil. Donc moi, j'y crois pas en ça. Donc on ne tient pas plus compte que ça d'un résultat d'un match amical. C'est pas moi le. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais en tout cas, il y a eu de très très bonnes choses, même à Metz. Après, voilà, il y a des erreurs à rectifier, comme l'année dernière, mais voilà, on a commencé à travailler dessus et on sait où on veut aller, on sait par où passer, donc voilà, c'est les bonnes choses en tout cas. À minima, mieux que la saison qui est derrière, non? Ben oui, c'est sûr. Aussi bien, mieux? Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on est à chaque fois dans le wagon des 8 premiers, donc à nous d'essayer de passer ce cap-là. Il y a eu du changement, il y a eu des recrutements, donc à nous de se servir de l'expérience des 3 dernières années pour pouvoir voilà, arriver au sprint final et pouvoir passer la tête pour essayer d'avoir ce qu'on veut depuis 3-4 ans. Tu m'attends à la perche parce que ton camarade Jordan disait récemment ce doit être l'année de la maturité. Exactement, il a tout à fait raison. D'accord. Donc... Non, il a tout à fait raison. Mais comme je te dis, déjà faire ce qu'on a fait sur les 2-3 années, enfin sur les 3 ans précédents, d'arriver, de titiller à chaque fois et d'être aussi régulier, à nous maintenant de se servir des 3 années passées avec les joueurs d'expérience qu'on a, les jeunes talentueux et arriver à faire un parcours comme beaucoup d'autres l'ont fait. Donc maintenant, c'est à nous de le faire. Enfin, il faut le dire et le faire. C'est la 4e année qui va démarrer. Et c'est la 4e année que vous allez démarrer avec Andy, le brassard de capitaine. Alors, ce n'est pas une première, hein, parce que tu as été déjà capitaine en cours de saison, quelques fois. Ça a du sens,
Ça n'est pas neutre de porter le brassard de capitaine, alors plus encore avec le naturel, la personnalité qu'on reconnaît à travers toi. Tu as valeur d'exemple, Andy, cette année. Mais déjà, ça me touche d'avoir cette responsabilité-là. Je suis très, très fier et voilà, je vais essayer d'apporter tout ce que je peux apporter, que ce soit sur le terrain, en dehors, pour voilà, pourquoi pas essayer d'amener l'équipe le plus haut possible. Tu ne vas pas forcer ta nature. On m'a souvent posé la question. Après, je pense que être capitaine, c'est naturel. C'est soit tu l'as ou soit tu ne l'as pas. Soit tu es un leader, soit tu ne l'as pas. Et voilà, même voilà, quand il y avait Vito, j'étais quand même un leader du vestiaire. Enfin, je l'étais. Et dès que voilà, j'avais le rôle, je l'ai assumé. Donc maintenant, je suis content de... Voilà, d'avoir ce rôle-là et je vais essayer d'encore faire plus d'efforts et montrer encore plus d'exemples à toute l'équipe. Montrer l'exemple et particulièrement ce dimanche parce que ça y est, ça va être le grand saut dans cette quatrième saison. Un petit peu de pression aussi personnelle parce que quand même tes stats, c'est pas rien et tu vas essayer encore une fois de monter la barre un peu plus haut. Oui, ben bien sûr, c'est mon objectif d'être chaque année meilleur. Et voilà, l'année dernière, c'est vrai que j'ai eu des stats solides et il faut dire aussi que j'ai manqué 10 matchs. Donc je vais essayer de ne pas manquer les 10 matchs et avoir les mêmes stats et j'aurai encore de plus belles stats. Donc voilà, je vais essayer de... Voilà, comme je l'ai dit, toujours, moi, je suis attaquant, mais c'est aussi faire des passes décisives, c'est très important et voilà, être décisif tout simplement. Contre Marseille, on va en dire trois mots parce que ça, pour un départ, c'est un départ. Alors, toutes les équipes au départ sont sur la même ligne. Ça peut conditionner un peu ou ouais, ça va sûr. Être musclé. Ah non, mais ça c'est sûr. On l'a vu que déjà on connaît le club de Marseille, on connaît le recrutement qu'ils ont fait aussi. Ils ont une très très belle équipe. J'ai regardé les matchs amicaux qu'ils ont effectués, c'est solide, ça va de l'avant, techniquement, ça va vite. Donc c'est sûr que ça va être compliqué, mais soit dans tous les cas, on prendra toutes les équipes. Donc qu'on les prenne la première ou la dernière journée, ça revient au même. Donc tant mieux, au moins ça va nous bouger d'entrée. Et on verra justement par rapport à cette équipe où on est situé après la fin du match. Avec un mot pour la fin, cette jauge sanitaire de 13 500, j'imagine qu'ils ne seront pas de trop. Ah, c'est sûr que ça nous a manqué. Maintenant, je ne sais pas, ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec le public. Bon, on n'a pas joué à domicile avec le public. Mais je pense que voilà, ça va remettre un peu de pression et j'espère que le stade va pousser, va nous aider pour aller chercher ces trois points d'entrée face à Marseille. Je ne dirai pas le mot, mais tout le monde le connaît. Bonne chance. Merci beaucoup.